Le Malinois est l'une des quatre races de chiens de berger belges. Le berger belge malinois est un animal intelligent et très affectueux. Cet excellent chien de garde est aussi un bon chien de travail au service des policiers et des secours. Le berger belge malinois est un chien de taille moyenne au physique puissant. À la fois résistant à la chaleur, mais aussi au froid, il peut vivre dans tous les environnements et est peu sensible aux maladies. Très affectueux envers ses maîtres, il est d'un naturel joueur, surtout avec les enfants. Le berger belge malinois fait partie des quatre variétés de berger belge existantes. Les autres variétés de ce groupe de chiens sont le berger belge Groenendaal, le berger belge Tervuren, le berger belge Lacunois. On peut différencier ces quatre variétés en fonction de la longueur, la couleur et la texture de leur fourrure. Le berger belge malinois est originaire de la région de Malines, en Belgique, d'où son nom, malinois. Le malinois se distingue dans de nombreuses disciplines. En effet, la robustesse du malinois est un atout plébiscité par les forces armées. Chien utilisé par les douaniers ou les policiers, il est aussi un bon chien de garde et de maison. Le berger belge malinois est un chien vif, courageux et attentif. Ses qualités font de lui un excellent chien de garde. Il n'hésitera pas à protéger son maître et son territoire des inconnus. Très sportif et hyperactif, ce chien a besoin d'espace pour se défouler. Il peut très bien s'adapter à une vie citadine à condition de lui consacrer de longs moments de sortie et de jeu. Ce chien est également très affectueux envers son maître. Bien éduqué, le malinois est un chien de travail efficace. Son éducation doit s'effectuer dès le plus jeune âge, toutefois celle-ci doit être douce, car le malinois est un chien très sensible. Le berger belge malinois est un chien au physique puissant. Un mâle peut mesurer jusqu'à 66 cm au garrot et pèse entre 25 et 30 kg. Une femelle peut mesurer jusqu'à 56 cm au garrot pour un poids entre 20 à 25 kg. Le malinois est un chien au poil court de couleur fauve charbonné. Cette couleur crée un effet de masque sombre au niveau de ses yeux et de son museau. Le poil de cette race de chien reste facile à entretenir. Enfin, ce chien, au museau bien ciselé, possède des petites oreilles triangulaires et une queue de longueur moyenne. C'est aux environs de l'âge de 1 an et demi que la femelle berger belge malinois est prête à se reproduire. Chaque année, elle est disponible à la reproduction 2 fois, lorsqu'elle a ses « chaleurs ». Il s'agit alors de provoquer la rencontre avec un berger belge malinois mâle pour qu'il y ait reproduction. À la suite de la fécondation, la gestation dure environ 63 jours. Pour cette race de chiens, les portées peuvent être très nombreuses, allant parfois jusqu'à 12 chiots. Portez un soin tout particulier à l'alimentation de votre berger belge malinois. Celle-ci doit être la plus qualitative possible. Essayez de ne pas acheter les croquettes ou la pâtée de votre chien en grande surface et en supermarché. Les prix y sont attractifs, mais les produits sont très médiocres, voire mauvais, et ne répondent pas du tout aux besoins nutritionnels de votre animal. Privilégiez plutôt les croquettes ou les pâtés un peu plus chers, mais de bien meilleure qualité.
Apprenez à décrypter les étiquettes pour choisir des produits dont la provenance est clairement indiquée. Évitez également les croquettes et pâtés bourrés d'additifs et de conservateurs. Prêtez attention au pourcentage de protéines contenues dans l'alimentation, il doit être d'au moins 25 à 28%. N'hésitez pas à utiliser des compléments alimentaires pour cibler des besoins bien spécifiques. Enfin, sachez que les besoins de votre chien vont évoluer au cours du temps, et vous devrez les ajuster en fonction de son degré d'activité, mais également de son poids, de son âge et de son état de santé. Il existe aussi des services de croquettes sur mesure si vous ne souhaitez pas acheter en supermarché. Si vraiment, la nourriture industrielle ou préparée par un tiers vous rebute, alors pourquoi ne pas vous lancer dans la ration ménagère ou le régime BARF? Ces méthodes d'alimentation pour chiens consistent à préparer soi-même les repas de son compagnon à quatre pattes. Dans le cas de la ration ménagère, les repas sont préparés à partir de viande et de légumes cuits. Le régime BARF, lui, prévoit de nourrir son chien avec de la viande crue et quelques légumes cuits. Demandez toujours à votre vétérinaire avant de vous lancer dans un tel projet. L'espérance de vie d'un berger belge malinois se situe en moyenne entre 12 et 14 ans. C'est un chien à la santé robuste. Toutefois, ce chien de taille moyenne peut être atteint de dysplasie de la hanche, dysplasie du coude, épilepsie, otite, dystrophie musculaire, pathologie oculaire, pathologie dentaire. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.